Bonjour les amis, Kratos vient d'arriver sur la map et il a comme objectif de combattre le boss Mando. Je compte sur vous pour liker un maximum. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je vais offrir un cadeau à un abonné. Salut Lilian, veux-tu le nouveau skin Kratos? Ah ouais, s'il te plaît. Et voilà, normalement tu l'as bien reçu. Ouais, merci. Le code, c'est Coco dans la boutique. Il avait des cadeaux et merci. Je vais essayer tous les jours de vous offrir un maximum de passes de combat et nouveaux skins pour vous remercier de regarder mes vidéos. Donc si tu veux me soutenir, n'oublie surtout pas de mettre mon code créateur Coco, K-O-C-E, dans la boutique Fortnite. Merci Lilian, à la prochaine. À la prochaine. Et action! Kratos est sur Fortnite, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis, c'est juste incroyable et surtout impensable. En tout cas c'est parti, on va commencer par spawn tranquillement à ce qu'il reste de Dusty Depot pour ceux qui se souviennent. Ok, il nous faut des armes parce que notre objectif principal de cette vidéo, le thème de cette vidéo, c'est d'aller affronter le boss Mando avec le skin Kratos. Mais bon, c'est pas avec des fruits que je vais y arriver, donc il faut absolument que je trouve des armes. Pour l'instant je ne trouve rien là. Ah mais c'est incroyable, il n'y avait absolument aucune arme les gars. Je suis complètement... Ah, une arme magnifique. Oh, bah quand même, un minimum. Mais bon, c'est pas avec ça que je vais réussir à le vaincre. Allez, il faut que je me dépêche. Je pense qu'il a déjà commencé à combattre. Ok, très marrant de voir Kratos dans un taxi, les amis. Sur Fortnite. Ok, ça c'est cool, ça, une petite arme. Ok, je pense qu'on peut s'en sortir, les gars. C'est faisable. J'ai pas des armes de ouf, mais on peut y arriver. Alors, Mando, où est-ce que tu es, Mando? Montre-toi, mon ami. Kratos est ici pour t'affronter. Ok, il est là-bas, les gars, je le vois. Je vois le boss Mando. Et c'est parti. Let's go. Faut que je fasse attention, les amis, parce qu'il est un sniper. Mando vise très très bien, faut que je fasse vraiment attention. Oula, il a failli mettre une balle. Ok, bon, on s'avance, les amis. On n'a pas peur, on s'avance. Ok, on va se mettre derrière le taxi. Oh, le jetpack, il a failli m'avoir. Moi, 55, moi, 37. Allez, viens, ramène-toi. Allez, je m'approche de lui, les amis. On va essayer de l'écraser avec la voiture. Prends-toi ça. Je fais attention car je n'ai pas de potion. Qui va gagner entre Kratos et le boss Mando? Il arrive, les gars. Allez, viens, montre-toi, Mando. Bah, il fait quoi? Je lui mets des sales têtes. J'ai plus de balles, les gars. Par contre, il a combien de vie, là? Oh, putain, il me fait mal. Il me fait très, très mal, les gars. Il me fait très très mal, on va refaire la technique du taxi. Mais bon les amis, on n'a pas le choix. Allez, prends-toi ça. Et voilà. Très marrant, Kratos qui arrive à vaincre ses ennemis que grâce à son taxi. Très drôle ça. Bon allez, on prend le jetpack. Ok, très stylé de voir Kratos avec l'arme de Mando. Magnifique. À présent les amis, il faut absolument que je trouve de la potion, car je dois réussir à faire top 1. En parlant de potions, les amis, regardez-moi ça. Une grosse popo. On va se mettre, je sais pas moi. Oula, il y a eu un petit bug là. On va se cacher tranquillement et boire cette magnifique grosse potion. J'ai vu aussi qu'il y avait un kit de soins. Allez, on va se le mettre. 20 PV, ce n'est pas à négliger. Kratos avec un jetpack, n'importe quoi. Pour les fans de God of War, vous ne devez rien comprendre là. Hein. En tout cas, je pense que ce skin Kratos qui vient d'arriver sur Fortnite annonce bien le délire de cette nouvelle saison. Je pense qu'il y aura pas mal de héros comme ça venus d'univers différents, de différents jeux qui vont arriver sur Fortnite. Et je trouve l'idée juste magnifique. Il fallait y penser quoi. Allez, j'ai envie de tester la nouvelle arme de Mando sur quelqu'un. Apparemment, il y a un coffre, on va aller voir ça. On va aller l'ouvrir tranquillement et loot. Allez, donne-moi quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. Ok, rien d'intéressant. On en a pas encore parlé, mais sa hache est juste magnifique avec la magnifique émote. Regardez ça, les gars. Tadam! Je trouve ça trop stylé. Oula, y'a quelqu'un là-bas. On sort le sniper. Ouh, raté. Ok, on le rush, les gars, ou quoi? On le rush, c'est parti. Eh oui, qu'est-ce que t'as cru? Kratos est imbattable. Et j'ai même pas de place pour son sniper. Malheureusement, ce n'est pas grave. J'en ai déjà un de toute façon en arme principale. Ok, par contre, j'ai entendu des tirs. Y'a quelqu'un? Moins 18. Moins 24. Moins 20. Kratos, c'est un combattant imbattable. Qu'est-ce que t'as cru que tu vas faire? Ok, malheureusement, je vais devoir laisser la grosse potion et prendre les petites. J'en ai quand même 5. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bon, allez, déjà 2 victimes. Kratos a déjà vaincu 2 personnes, ou plutôt 3 si on compte le boss Mando. Ok, quelqu'un là. Un Groot, c'est un Groot. Montre-toi, Groot. Okay, j'ai envie de toucher quelqu'un avec le sniper, les amis. Wouhou! Bon bah j'ai réussi mon objectif en quelques secondes. Alors qu'est-ce que t'avais de beau mon ami? Un magnifique petit pompe bleu, ça c'est perfecto. Allez, on continue notre petit périple. On doit rattraper la zone. Malheureusement ça va, elle est encore derrière nous. On me tire dessus les amis. C'est parti. Un nouveau fight pour Kratos.
Bonjour. Wouhou, qu'est-ce t'as cru? Allez, on voit encore une petite popo. Tac, tac. Bon, par contre, il m'a mis à 50, ça, c'est pas très, très cool. La zone qui arrive, faut que je me dépêche. Y'a pas une petite voiture par ici? Oh, si, si, une petite voiture qui va me sauver. Allez, on y va, on démarre. Ok, la zone nous a même pas touché. Magnifico. Ok, nous sommes arrivés dans la zone, les amis. On va essayer de se mettre en hauteur avec le sniper de Mando. Et essayer, bien sûr, de faire un maximum de victimes. Il reste plus que 10 personnes en vie. Tout est faisable. Et surtout, le top 1 est faisable. Ok, y'a quelqu'un qui est juste en face, les gars. Moins 23. Wouhou! Scarache! Les amis, j'ai un choix à faire là. Bon, vous savez quoi? On va. Voilà, c'est ça mon choix tout simplement. Je vais pas laisser l'arme de Mando. Ok, on va essayer de voir s'il y a des gens. Ah, quelqu'un là-bas. Elle est vraiment cheatée pour trouver des gens. C'est incroyable cette arme. Ok, j'ai raté mes balles, pas grave. En tout cas, j'ai repéré quelqu'un en 2 secondes quoi. Bon, allez, on va s'avancer les amis parce qu'on n'est pas dans la zone. Allez, plus que 8 personnes en vie. C'est faisable, les amis, c'est faisable. Ouh, une grosse potion. Deux grosses potions, mais c'est parfait, ça. Et un pompe. Attends, mais c'est le pompe ultra cheaté, là. Wow, c'est quoi, ce pompe? Je l'ai pas encore testé, les gars. D'accord, ok, un pompe carrément qui lance du feu. Ok, d'accord, bon, on va le garder, hein. Bah, on se dépêche, les amis, de se mettre full parce que la zone arrive. Allez, vite, on boit ça, vite, allez, on se dépêche. Ok, à présent, je suis prêt pour faire top 1. Kratos, c'est full vie. Voilà, je vais essayer de mettre en hauteur, bien sûr. Par exemple, en haut de cette montagne-là, ça serait pas mal. J'espère y arriver avant qu'un ennemi commence à me tirer dessus. Ok, j'y suis presque, les amis. On va se mettre ici, tranquillement. On va aussi essayer de rentrer dans la zone, bien sûr. Parce que là, j'y suis pas. Là, maintenant, j'y suis. Ok, on va faire notre base ici, les amis. Tac. Tac. Et tac. Ok, bon. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'entends des tirs. On va se protéger les arrières, quand même, on sait jamais. Oh non, j'ai raté cette balle, c'est impossible. Wouhou, c'est parti. Allez, plus que 3 personnes en vie, les amis. Je rends honneur au boss Mando, les amis. Encore quelqu'un là-bas. Allez, plus que 2 personnes en vie, normalement, ils sont là-bas. Ok, une personne qui est là, les gars. Oh non, raté. J'ai raté ma balle, malheureusement. Ok, ok, il a de la chance, il a beaucoup de chance. Allez, on reste concentré. Il me reste encore 2 personnes à combattre. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Ok, la deuxième est là-bas. C'est une peluche, les amis. Ok, je rate vraiment toutes mes balles. En même temps, j'ai l'impression qu'ils sont plus lentes que les balles normales. Wouh, moins 110. Ok, enfin. Ok, ok, j'ai limite envie de rush, mais je suis tellement bien postiché en haut de cette montagne que je vais rester là, je pense. Allez, montrez-vous, je suis à 2 kills du top 1. Ok, il sort. Ok, quelqu'un essaie de me tirer dessus, les amis. Bon, vous savez quoi, je descends, hein. Je descends, je vais rush. Où est-ce que vous êtes? Ils sont en train de jouer à cache-cache, là. What? Il m'a pas vu. Je vais essayer de le contourner. Salut, peluche! Moins 29 encore. Où es-tu, peluche? Montre-toi, tu m'as tiré dessus, tu m'as attaqué, non? Par contre, faut que je fasse attention à l'autre ennemi, je sais pas où il est. Peluche! On me tire dessus, les amis. Oh putain! Faut que je me casse vite! Popo! Allez, vite, on boit de la potion, vite, on se dépêche! Ok, on est prêt. Mais il meurt jamais, lui. La zone, vite, la zone. J'ai 10 PV. Oh non, j'y crois pas.
J'y crois pas, ils ont réussi à m'avoir à deux. Bon, c'est pas grave, merci à tous les amis, Kratos au moins aura tenté. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de mettre le code COCO, K-O-C-O, dans la boutique Fortnite. C'était Coco, à très bientôt.